Il y a un certain nombre d'adultes et de jeunes adultes qui n'ont pas pu continuer leurs études dans le secondaire, même certains qui, à la fin de l'école primaire, ils n'ont pas trouvé de place dans les CEG ou il n'y a pas de CEG chez eux. Et pourtant, ils aiment et ils souhaitent continuer une formation. De là sont nés, il y a une trentaine d'années, des cours de formation pour adultes. Et ici, vous en avez une vingtaine qui sont réunis et qui suivent justement ces cours de formation. Ils ont un devoir par mois à faire que nous corrigeons et que nous leur ramenons corriger tous les mois. Et le devoir n'est pas d'abord d'apprendre beaucoup de choses, mais de les exercer à une réflexion ensemble, en commun. Cette réflexion-là, ils vont l'appliquer pour la plupart aussi dans leur travail à la maison. Et en même temps qu'ils vont progresser intellectuellement, surtout en matière de réflexion, mais même en matière d'apprendre de choses nouvelles, insensiblement, ils vont progresser en matière de travail agricole, de culture, de petits élevages. Et leur niveau de vie s'améliorera au fur et à mesure aussi que leur instruction va aller s'améliorant. Au total, il y a actuellement 160 élèves inscrits pour les cours de formation générale et il y en a à peu près 50% qui font les devoirs régulièrement. Voilà ce que c'est que les cours de formation générale pour adultes. Et c'est pas seulement ici, donc c'est dans plusieurs régions Il y en a un bon nombre dans la région de Fianarantsoa. Il y en a eu beaucoup dans la région d'Amboustre autrefois, il y en a encore quelques-uns. Il y en a dans la région d'Antsirabe. Il y a de bons groupes à l'ouest de Tananarive, dans la région dite de Fionana. Et puis, ici maintenant, et probablement, il y a des groupes qui sont en train de naître dans cette région nord de Tananarive. D'accord. Comme ça, ils peuvent faire le devoir chez eux. Ils ne sont pas tirés de leur travail. Les parents peuvent continuer à s'appuyer sur leurs enfants, sur leurs grands-enfants, garçons et filles, pour le travail de la rizière, pour le travail du repiquage, mais les enfants peuvent continuer aussi à progresser. Et donc, ça fait déjà longtemps que ça existe, ça a été créé... Avant 1980. Et donc c'est le père de Lolanier qui a débuté ça. Le père de Lolanier qui était originaire de la région du Poitou et qui en venant ici et en allant visiter les paysans dans la campagne a trouvé beaucoup de ces jeunes ruraux malheureux parce qu'ils ne pouvaient plus continuer de formation. Et c'est comme ça qu'il a écrit de sa propre main tous ses cours. Tous ces cours de formation par correspondance. Et il y a diverses matières, c'est quoi les grandes matières? Il y a 14 matières au choix. La description suivie de la sociologie, français et malgache comme langue vivante, comme langue. Il y a histoire et géographie, le calcul, physique, chimie pour ceux qui les intéressent. Il y a surtout une matière très importante qui est la philosophie. Mmh. Et croyez-moi, c'est une matière qu'ils aiment
et c'est parmi les matières les plus demandées. Et entre autres choses, parmi les hommes et femmes adultes, il y en a beaucoup qui aiment suivre le cours de philosophie. Il y a un groupe actuellement d'une trentaine d'hommes à l'ouest de Tananarive qui suivent tous ensemble le cours de philosophie. La cour de philosophie commence par une réflexion sur la création. Le soleil, la lune, la terre, le cosmos, les planètes, les étoiles, les faire réfléchir sur cet immense cosmos. Et là, c'est souvent une grande découverte, même pour moi, à leur faire, à l'enseigner. Ça, là, en fait, ces cours, c'est surtout leur permettre de réfléchir et de comprendre un peu le monde qui les entoure, c'est ça ? Et la sagesse ancestrale se traduit dans un proverbe qui est que la pensée de plusieurs permet de solutionner les problèmes, de trouver les solutions aux problèmes. Nievta nibe sinimaru numa takata davta. Voilà la sagesse ancestrale. Elle se continue, cette sagesse ancestrale, par un autre proverbe, que c'est dans la solidarité qu'on trouve la force. Et alors, quand ces élèves se solidarisent pour exercer pour un travail que chacun d'eux ne peut pas faire seul et qu'ils vont faire ensemble, mettez un travail, par exemple, de progresser dans les cultures vivrières. Chacun d'eux n'a pas le courage, n'a pas la force tout seul, et dès qu'ils se retrouvent à trois ou quatre, ils marchent ensemble. Ça se traduit dans le proverbe « Nifiraisan kina nueri ». C'est dans la solidarité qu'on trouve la force, le courage. Et il faut bien s'appuyer sur cette sagesse ancestrale. Et justement, au niveau de l'agriculture, donc il y a un cours qui est dédié à l'agriculture, mais vous nous racontiez un petit peu comment les élèves vous questionnent sur tout ça. C'est intéressant. Le problème de l'agriculture, c'est qu'il y a un dysfonctionnement ou un déséquilibre structurel. Quand vous comparez le prix du cahier d'écolier, du stylo bille, du mètre de tissu, donc de la blouse d'écolier, de tous les produits manufacturés qui sont nécessaires, la chemise, la culotte, n'importe quel habit, tout produit manufacturé. Et le produit auquel ils vont vendre un kilo de pommes de terre, un lapin, un canard, il y a un dysfonctionnement structurel entre la possibilité de rentrer d'argent et